La journée de l'engagement, pour moi, c'est faire autre chose que je fais au quotidien. Et puis, c'est contribuer à la vie associative de ma région ou des villages qui sont autour de chez moi. Ça nous permet justement de contribuer à une journée solidaire et d'apporter finalement notre aide, aussi minime soit-elle, à des personnes qui en ont besoin. Et surtout qu'en plus, on n'a pas forcément le temps de s'engager dans un milieu associatif en temps normal. Aujourd'hui, je participe à l'atelier des chaussettes solidaires. Donc, il y a pour objectif de fabriquer différents habits à partir de chaussettes usagées. Aujourd'hui, j'ai fait du désherbage. On a fait de la plantation de tomates. Où on a planté plein de petits plants qui donneront des beaux fruits et des beaux légumes. On trie en fait les vêtements par catégorie et par taille et par saison. Eh bien, on a préparé donc les menus qui seront distribués ce soir à la Villette. Alors, on n'avait jamais fait cuire 40 kg de pâtes d'un coup avant. Hein. Et là, c'est la petite touche du chef. On fait de la coriandre qui va être disposée sur les pâtes. On a refait toute la pièce de vie qui est là où les travailleurs de l'ESAT se retrouvent entre leurs heures de travail. Donc on a repeint. C'est très concret et c'est très dur aussi. Hein. Heureusement qu'on est aussi nombreux pour pouvoir aider parce que c'est pas simple et ça prend du temps. Elle est super cette journée. J'ai découvert de nouvelles personnes d'Alliance et c'est super bon enfant. C'est super convivial, il y a une super ambiance, il fait beau, il fait chaud, c'est top. Et tout le monde a le sourire, mais c'est le bonheur, c'est le bonheur. Chez Alliance, on est tous engagés. Et là, c'était une preuve de notre engagement de pouvoir aider, justement. Bravo! Grand plaisir de participer l'année prochaine, parce que j'ai une très belle découverte. Toujours agréable et satisfaisant de pouvoir venir en aide, donc avec grand plaisir. J'ai embauché d'autres collègues pour leur faire découvrir.